La Britannique Amy Winehouse 1983-2011, a été propulsée star planétaire par la grâce de l'album Back to Black sorti en 2006, avant que son existence ne ressemble à une longue descente aux enfers. Il n'est ne fallait pas plus pour que le cinéma s'empare de son histoire avec le tournage d'un biopic qui a débuté au mois de janvier 2023 à Londres sous la direction de Sam Taylor Johnson, la réalisatrice de 50 nuances de gris. Un choix qui n'est pas du hasard, dans la mesure où cette metteur en scène était une proche de la chanteuse. Avec l'accord des ayants droit selon la société Studio Canal UK qui produit le long métrage, ce biopic se concentrera sur le génie extraordinaire, la créativité et l'honnêteté d'Amy, qui ont imprégné tout ce qu'elle a fait. Comme un voyage qui l'a mené de la folie et de la couleur de la Camden High Street des années 90 à l'adoration mondiale. Précision. Si les ayants droit de la défunte chanteuse, dont son permis de Winehouse, n'avaient pas donné leur accord pour le documentaire Amy oscarisé en 2015, si est-il le cas cette fois-ci. Dans ce film intitulé Back to Black, l'actrice Marisa Abela incarnera la chanteuse. L'anglaise est une quasi-inconnue, si ce ne sont des rôles dans les séries Industry et Cobra, ou dans le film Barbie qui sortira en France cet été. Et, au vu des premières images, le résultat promet d'être spectaculaire. Crédit photo, Zuma Press Best Image.